Salut à tous, City Post est aujourd'hui du côté de l'hôpital Nord dans le 15e arrondissement à Marseille. Chaque année en France, c'est plus de 800 000 personnes qui sont touchées par des infections nosocomiales, plus de 10 000 en meurent. Une infection qui pourrait bien souvent être enrayée par une meilleure hygiène des mains et un meilleur suivi des soins. On est au service des maladies infectieuses et tropicales. Un service où l'on teste déjà depuis trois ans une technologie innovante qui permet d'assurer la traçabilité de l'hygiène des mains et le suivi des soins. Les deux personnes qui sont à l'origine du projet, c'est le professeur Brouki, le chef de service, et Bernard Delors qui a développé cette nouvelle technologie. On est là pour les rencontrer. C'est parti. Le système Median Trace fonctionne de la manière suivante. Il est basé sur l'identification par radiofréquence. Cette identification par radiofréquence fonctionne avec un certain nombre d'éléments actifs. Premier élément, un tag, c'est-à-dire un élément d'identification personnalisé et par fonction qui est à l'intérieur d'une chaussure et dans le talon de cette chaussure. Ce tag est reconnu par une antenne qui est positionnée au sol. Autre élément, des... Euh, distributeur de solutions hydroalcooliques électronisées et cet ensemble fonctionne de la manière suivante. Lorsque vous voulez en fait prendre une solution hydroalcoolique, vous appuyez sur ce, cet élément, vous frottez et vous faites l'ensemble des gestes requis par l'OMS. Mais comme vous êtes à l'aplomb de l'antenne, vous êtes donc reconnu et pendant le laps de temps où vous, vous désinfectez les mains, l'information est captée par l'électronique, remonte à un serveur et trois types d'informations sont recueillies. Un, le fait que vous soyez servi à un moment donné, le fait que vous ayez été identifié et le fait que vous êtes au regard d'une chambre répertoriée. Voilà l'ensemble des éléments qui sont captés. Mais toutes ces informations remontent, fournissent des statistiques, mais dans l'application courante, avec le signal sonore ou visuel. On a la possibilité de rappeler à l'ordre le soignant et de faire en sorte qu'il revienne en arrière et de désinfecter les mains. Ben, je pense qu'il y a une, une méconnaissance actuelle de l'ampleur du problème en fait. On, on connaît parce que ça a été très médiatisé le problème des infections nosocomiales, mais je crois qu'on a une méconnaissance de l'ampleur du problème parce qu'on n'a pas, pour l'instant, d'outils très performants pour le mesurer réellement. Les seuls outils qu'on a, c'est l'observation humaine, c'est-à-dire ben, effectivement ce que vous dites, l'observation par des personnes étrangères au service, mais il n'y a pas d'outils et l'outil de trace et l'outil que nous travaillons, les outils que nous travaillons ici dans ce service-là vont permettre justement de mesurer avec une grande précision la problématique de la transmission, c'est-à-dire les problèmes de cathéter, les problèmes effectivement de lavage des mains, les problèmes de traçabilité au lit du patient. Tout ça, ce sont ces outils nouveaux qui vont effectivement mettre, permettre ça. Dans tous les hôpitaux, maintenant, le, ce que vous appelez le flicage, c'est-à-dire la traçabilité est quelque chose d'obligatoire. Actuellement, elle se fait simplement à la main. C'est-à-dire qu'on est obligé de relever avec un stylo et un crayon sur des feuilles tout ce qu'on fait et de signer euh, pour pouvoir bien montrer que c'est soi. Donc finalement, les soignants sont, habillés, sont habitués pardon, à, ce, à ce type de traçabilité. Et finalement, ce n'est pas mieux ni moins bien. C'est plutôt même d'ailleurs mieux parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes à relever effectivement cette traçabilité. Donc c'est de la traçabilité, c'est pas du flicage. C'est normal, c'est comme ça qu'on améliore les soins.